Poutine signe la loi sur la journée de l'adhésion de la Crimée à l'Empire russe. Le 19 avril sera désormais célébré en Russie comme la journée de l'adhésion de la Crimée, de la péninsule de Taman et du Kouban à l'Empire russe. Cet événement historique a eu lieu en 1783. Le président russe a signé vendredi la loi qui établit le 19 avril comme la journée de l'adhésion de la Crimée, de la péninsule de Taman et du Kouban à l'Empire russe. Ce jour-là en 1783, l'impératrice Catherine II avait signé un manifeste proclamant ce changement territorial. Le projet de cette loi a été soumis à la Douma d'État, la chambre basse du Parlement russe, fin juin par un groupe de parlementaires russes, dont la présidente du Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement, Valentina Matvienko. Selon ce document, le référendum organisé en Crimée le 16 mars 2014 est une continuation logique de l'histoire de la Crimée russe entamée avec le manifeste du 19 avril 1783. La Crimée a adhéré à la Fédération de Russie le 21 mars 2014 à la suite d'un référendum, lors duquel 96,77% des électeurs de la désormais République russe de Crimée et 95,6% des habitants de la ville de Sébastopol se sont prononcés pour la réunification avec la Russie.